Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour customiser la Pegasi Osiris, pardon. Donc voilà, je l'ai acheté, j'espère que j'aurai assez pour la customiser. Et ben on va rentrer dans le Los Santos Custom. Donc je vais découvrir avec vous le custom de la voiture. Donc blindage, on va pas encore mettre, on verra à la fin s'il nous reste assez d'argent. Frein non plus, on va regarder plutôt ce qui est l'esthétique. Donc les pare-chocs, donc on a celui-ci en orange, en noir, en rouge, orange, noir. Bah, pare-choc arrière, on va mettre celui-ci et on va mettre celui-ci. Moteur, on va pas encore mettre. Échappement, on peut pas trop voir avec la fumée, on va mettre lui. Explosif, on en a pas besoin. Ça c'est quoi, c'est les ailes. Bon, on va mettre ça. Klaxon, ça c'est pas grave. Phare, on va mettre comme ça. Hop, assurance, on en a pas besoin. La plaque, peinture principale, on va mettre on va regarder pour les couleurs. Moi je la laisserai bien en rouge, elle est bien moi je trouve. Et couleur secondaire, bah on va aussi mettre en rouge. Rouge. Il est là, pardon, j'ai loupé. Voilà, emblème de crew. Après on a les bas de caisse. On va mettre celui-ci. Aileron. Bon, on va mettre celui-ci, allez. Transmission, hop, turbo. Bon, je pense qu'on aura assez pour la tuner, ouais, en entier. Le type de roue, bah, on va mettre sport. Ça c'est chromé. On va regarder ce qui va à peu près bien avec la voiture. Moi je verrais bien genre des petits trucs comme ça. Je pense qu'on va mettre celui-ci. Voilà. Couleur, on va laisser accessoire. On va mettre ça. Allez, pour faire balle, la fumée, on s'en fout. Fenêtre, on va mettre comme ça. Blindage, qu'on peut mettre. Frein aussi. Et voilà. Donc on va aller tester à la voiture pour voir sa rapidité. Pour voir aussi si elle tient bien la route. Pour voir quand même qu'elle est extrêmement rapide là. Hop, on va se mettre comme ça là. Donc oui, elle est vraiment très très rapide. Je sais pas si elle est plus rapide que la Zentorno, je sais pas du tout. Bah ouais, elle est très maniable aussi. Attention. Oh ouais, elle est très maniable, elle est très rapide, elle est super bien. Dans les montagnes, je sais pas du tout si elle est bien. Bon, au pire, on va aller tester dans les montagnes.
Là, on est un peu dans les montagnes, c'est pas vraiment les montagnes. Enfin, si ça peut aller. Mais bon, ça va, elle est assez stable aussi dans les montagnes, enfin, pour l'instant. Elle dérape un peu. Bon, c'est un peu normal aussi. Donc, après, tout ça dans les montagnes. Et aussi sur la route, c'est une très bonne voiture que je vous recommande. Donc, je vous conseille de l'acheter. En plus, elle est très maniable. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu peux aimer la vidéo. Tu peux aussi aller aimer mes réseaux sociaux et t'abonner pour suivre mes prochaines activités sur YouTube. Et je te laisse sur ces images. Allez, salut!